Ici Jess Archambault. Julien Lécuyer est un athlète de soccer en fauteuil motorisé. Il nous présente son équipe lors d'une de leurs pratiques. Marine Gaillard, coordinatrice des programmes au CIVA, Centre d'intégration à la vie active. Ça fait à peu près 4-5 ans que le CIVA a une équipe de powerchair soccer sur la Rive-Sud. C'est vraiment donc du soccer qui se pratique en fauteuil roulant motorisé. Les règles sont assez similaires à du soccer traditionnel qu'on connaît un petit peu plus. Et les joueurs viennent frapper la balle avec un pare-choc qui est fixé à l'avant de leur fauteuil. Donc c'est ou leur fauteuil régulier de tous les jours avec un pare-choc qui est ajouté à l'avant ou un fauteuil spécialisé de powerchair soccer. Et bonjour. Julien, c'est un joueur chez nous très assidu. On vient d'acquérir un fauteuil motorisé spécialisé. Donc on peut vraiment venir tourner très rapidement, aller à reculons très rapidement aussi. Donc c'est des fauteuils qui sont très vifs. Ça a changé beaucoup de choses dans sa pratique quand même, puis il trouve ça rapide. Il est très, 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 très sensible. Donc il réagit tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis donc ce soir-là, c'est important parce que si on veut faire une passe à notre coéquipier, ben, il faut réagir rapidement. Julien Lécuyer, j'ai 29 ans, puis je joue au powerchair soccer. J'ai commencé le powerchair il y a environ 5 ans. En fait, c'est au début de la formation de l'équipe ici. Mais je voulais bouger, je voulais faire du sport. Moi, j'aime ça faire du sport. Ce que j'aime le plus, c'est justement c'est la vitesse du jeu à quel point qu'on peut faire des passes. Moi, j'ai la neurofibromatose. En gros, c'est les tumeurs qui entourent les nerfs. Donc, c'est pour ça que je suis en fauteuil. Et c'est grâce à ça que je fais jouer au powerchair. Comment on fait la semaine dernière? Tu ramènes le ballon au centre pour faire une Le but, là, c'est de mettre le ballon dans le but. C'est du 4 contre 4. Ça joue sur un terrain de basket à l'intérieur. Et puis, c'est un bon sport. C'est un des seuls sports faits pour les gens en fauteuil motorisé. Je suis Pierre Séguin. Je suis ici comme entraîneur de l'équipe. L'échauffement qu'on a fait un peu, c'est du contrôle de chaise, quand il a fait le parcours sans ballon. Après ça, bien, c'était du contrôle de ballon. Donc, contrôler le ballon à travers les poteaux. Les ballons avec lesquels on joue sont plus gros que la normale pour éviter les accidents, que le ballon roule en dessous des roues, mettons. Mais c'est quand même assez gros. J'aime beaucoup la vitesse et j'aime bouger. À la place de rester chez nous devant la TV ou l'ordinateur, ben là, je peux sortir et faire quelque chose de vraiment intéressant et compétitionner avec d'autres personnes qui sont égales de force à moi. Là. Tout le monde joue égal. Le but qu'on est là, c'est pour que les jeunes aient du plaisir. Puis c'est ça qu'on essaye de faire en faisant jouer tout le monde autant que possible.